Bienvenue sur les flots et dans votre flottille. Ici, vous pouvez déverrouiller des défis et acheter le pass de combat pour recruter cette équipe de naufragés insubmersibles. Ce petit moussaillon s'appelle Kit. Oh, il grandit si vite. J'ai invité Aquaman, il a dit oui. Alors je lui ai demandé de mettre un t-shirt, il a dit non. Et puis il y a Julie, une inventrice de génie aux créations prodigieuses. Explorez la flottille pour rencontrer toute l'équipe. Découvrez aussi le parapluie perso, inclus dans le pass de combat, et à redécorer vous-même. À la fin de la saison, il sera totalement unique. Tout au long de votre aventure, de nouveaux endroits, de nouveaux moyens de se déplacer et des tas de surprises vous attendent. Soyez prêts! Alors, achetez le pass de combat pour recruter votre équipe de naufragés, personnalisez votre parapluie, récupérez 1500 V-Bucks et plus encore! Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-vous à l'eau! Ok les gars, c'est là tout ce Jetakill, on se retrouve en vidéo sur Fortnite pour acheter le fameux pass de combat les amis. Voilà là, wow, c'est trop lourd. Donc voici le pass de combat, donc au moment où je tourne la vidéo on est le matin. Donc tout le monde est déjà en live, ils font des lives pour découvrir le pass et tout. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va découvrir le pass ensemble. Donc comme vous voyez je suis niveau 1, je viens d'arriver. Je vous ai laissé le petit trailer, etc. Sans parler. Donc, alors, on va tout de suite se procurer le pass de combat. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc, il y a défi de style. Donc, ça va être sûrement pour accomplir des défis pour monter Aquaman. Ok, ça se débloquera au fur et à mesure. On verra ça après. Donc, tout d'abord, je vais déjà mettre les petits V-Bucks puisque je les ai pas mis. Puisque je viens d'arriver sur le jeu. Et au moment où je tourne la vidéo, bah, j'ai lancé le trailer et j'ai direct tourné. Donc on est parti. On s'est procuré les petits V-Bucks. Et on est parti pour acheter le pass de combat du chapitre 2 saison 3 les gars. Donc alors, on est parti. Hop, pass de combat. Donc c'est tout nouveau en plus. Donc c'est tout, il faut tout revoir et tout. Donc je sais même pas... Déjà on va mettre solo comme ça le menu 14 000 qui se fait. Ok, en plus il y a plein de défis à découvrir. Donc on va se procurer le pass. Je veux le pass de combat. On est parti acheter le pass de combat. Et voilà, pass de combat déverrouillé. Cette saison c'est du lourd. Donc alors on commence par les deux premiers skins. Donc Océane, le premier skin de ce pass qui est stylé quand même, avec sa petite pioche au bout. On sera peut-être dans le prochain pass. Deuxième skin, Transit, ok. Qui est pas mal aussi avec les petits cheveux violets. Salto de héros, ok, dans ce basique. Cercle de poisson, donc celle-là, c'est une traînée qui est très très stylée. Ah ouais, elle est stylée, hein. Ah ouais. Ici, parapluie perso, donc on va pouvoir personnaliser notre parapluie au fur et à mesure du temps. Donc, fourbi de plage, ok, un petit sac à dos. Vague océane, ok, ça on s'en fout un petit peu. Cette musique est stylée. Ah ouais, elle est stylée cette petite musique, c'est la musique du trailer. Donc on a tranchant marin des pioches. Donc après, on a amélioration du tap à terre. Ok, ça c'est pour améliorer le parapluie perso. Après, on a jaunésie plongeur, donc qui est pas mal avec la petite PM en main. Ouais, franchement, il est stylé. Franchement, ça passe. Franchement, ouais, il est stylé. Après, on a riff imaginaire. Donc, ça à la guitare. Ouais, c'est un petit peu rock'n'roll. Ok, ok, c'est un petit peu... Ouais, ok. Après, on a la bouteille d'oxygène. Donc, la bouteille abyssale. Très bien. Chute d'eau. Une traînée, ouais, pas mal. Et 400 V-Bucks. Ok, on va passer aux autres choses. Donc, là... Hop, un petit planeur, aile marine. Ok, bon, il est pas mal. C'est pas ouf, mais il est pas mal, ça passe. Après, on attaque la pioche. Donc, on peut en avoir deux et une dans la main. Stylé, franchement, c'est stylé. La lame intemporelle. Très bien. Après, on a trop carré. Ok, bon, bah, une mode basique. Après, on a un couteau de plongée. Donc, ça, on peut pas le tenir à une main. Qui sont un petit peu trop petits, je pense. Après, on a Julie au palier 40 qui est pas mal aussi. Donc, la fille de Midas, si je me trompe pas. Voilà, il y a plusieurs styles.
Après, on a à l'arrière perchoir d'homme, donc le petit bout métal, on va appeler ça comme ça, le petit bout en métal. On a la sereuse, donc c'est une clé qu'on peut tenir à une main et à deux mains aussi. On a homme, donc le sac à dos, qui est très stylé celui-là de planeur, au palier 49. Au palier 49. Après, on a Iran, qui est pas mal avec le petit truc devant. Après, on a une anse du bout des pieds. Excusez-moi pour le petit truc bleu devant, je sais pas ce que c'est, ça doit être un bug. Après, petite amélioration de truc. Après, on a Kit, le nouveau skin. Mettez-vous en ordre de musclé avec l'émote intégrée. Donc, il y a une émote intégrée en fait. Après, on a un petit planeur. J'aime pas trop ces planeurs. Je trouve qu'ils sont trop basiques. Après, on a Fleur de l'Infini qui est gratuit. Donc, en plus, elle est vraiment belle. C'est vraiment beau ce petit sac à dos. On a Photon. Ok, très bien. On a Virtuose du clavier. Ouais, celle-là, elle est pas mal quand même. Elle est pas mal. Après, on a Griffe Féroce. Ok, on peut la prendre à une main. D'avoir. C'est bien cette petite idée d'avoir deux pioches. Et après, d'en avoir une. Donc, c'est vraiment stylé. Après, on a encore un petit parapluie. Bon, j'aime pas trop ces parapluies, moi, comme ça, là. Comme ça, basique, j'aime pas trop. Après, on peut améliorer le goudet. Le godet, pardon, je sais pas comment ça se prononce. On a le sac à dos, petite lune, qui est stylé, qui tourne. Un petit peu comme le concert de Travis Scott avec le skin Astro Jack. On a Siona, donc le skin dans l'image qui tenait le petit sac à dos. Qui se transforme avec le... le truc d'astronaute sur la tête là, je sais plus comment ça se prononce, et elle est en rouge. Après, on a cette pioche là sur un cosmique, pardon. Ok, stylé aussi. On a une petite danse 84, palier 84. Stylé aussi avec les petites planètes qui tournent autour. Stylé ça aussi. Ok, on a encore. Wow, le planeur, ça c'est le plus beau. Planétoïde, je pense que tu te situes dessus, tu te poses dessus et tu... Ah ouais, il est stylé celui-là aussi. Et on arrive au palier 100, donc on a l'âme loyale, ok, et on l'a une seule, ah ouais, stylé. Après, là, une petite démote. Grognon, ok. On a corbeau du métal, de métal. Qui est stylé aussi, de planeur. Waouh, les trucs qui c'est à chaque fois, les petits trucs couteaux autour. Le sac à dos, bouclier éternel, très bien. Et on arrive aux deux derniers skins du pass de combat. Donc celle-là qui est très stylée. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs tryhard qui vont mettre ce skin. Il est très fin. Donc ça fait très très tryhard. En plus il change de couleur à chaque fois. Donc après là on a le skin masqué. Qui est le dernier skin. Un des deux derniers skins du pass de combat. Qui est stylé aussi. Qui est vraiment beau. Avec ce petit air maléfique. Et voilà, on en a fini pour le pass de combat. Donc on va lancer une petite game. Donc il y a beaucoup de trucs là qu'on a tout débloqué dans le pass de combat. On va taper on va taper saison 3 et on va mettre, donc on a ce skin transit, on a Océane et on a Johnny pardon, plongeur. Donc je pense qu'on va partir sur Océane, je pense. Elle est stylée Océane. On va partir sur Océane. Le sac à dos. En vrai de vrai, pour le sac à dos, je sais pas quoi mettre en vrai. Je pense qu'on va partir sur la petite bouteille d'eau. La petite bouteille de Respirations. Alors pour les pioches, on en a bloqué une quand on paye 25 paliers. Et elle est. Elle est où? La petite pioche. On va taper saison 3. Très bien. Et la pioche est là. Voilà, pour le petit parapluie, on va mettre. On va partir sur l'aile ultra légère. Et pour la traînée, on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les petits poissons là qui tournaient autour. Voilà, on va mettre les petits poissons. Et voilà, je pense qu'on est paré. Bon, après, pour le camouflage, la musique, etc. On s'en fout un petit peu, je vais juste mettre la musique comme ça. Voilà. Et on est parti, donc il y a beaucoup de trucs. Il y a les défis de la carte, il y a. Carte à remplir, défi de style et le parapluie perso. On va juste faire un tour au niveau du parapluie. Ok, très bien. Ah, c'est comme Maya en fait.
très bien, tu peux l'améliorer comme ça. Oh, ça je le ferai de mon côté personnellement. Ok, on va partir en game. Donc je crois qu'il y a un petit peu des petits soucis au niveau de la solo, je crois. Je crois que c'est ça, il y a un petit peu des soucis. Utiliser des potions de bouclier, ok. Bon, ça c'est plein de défis à faire. On n'est pas lié 26, c'est normal. On a payé le pass 25. Ok. Stylé le petit skin avec la pioche. Donc la map ressemble à ça. Oui, au fur et à mesure que la saison augmente, l'eau va diminuer. Donc il y aura de nouveaux lieux qui sortiront. Donc si je me souviens bien, ça c'est Switchy Sands, ça c'est Pleasant Park, ça c'est Simistack, ça c'est Freezy Farm, ça c'est l'agence, ça c'est Salty Spring, ça c'est bon Lazy Retail Missy, ils sont toujours là. Ici je sais pas du tout, ici je sais pas du tout et ici je sais pas du tout. Donc on va voir. Ah si ici c'est Flotille je crois. C'est utiliser un vortex à Flotille, voilà c'est ça. Waouh, c'est trop stylé. Wouah, c'est une des meilleures saisons, mais c'est abusé. Wouah, j'en reviens pas. On va se faire un petit spot safe tranquille. Où on va atterrir, Wouah, s'il y a que sous l'eau. Donc apparemment, on peut pas nager sous l'eau, on peut pas plonger. Donc ça, c'est dommage, c'est assez dommage. Je pense qu'on va partir... Allez, je découvre la map, on va partir là. Ici, ça m'a l'air pas mal. Ouais, ou ici, je sais pas du tout. Il y a beaucoup de mecs. Je sais pas du tout. On va partir par là. On va voir. On découvre. Le petit planeur. Waouh, stylé aussi. Waouh, vous avez géré encore Epic Games. Comme toutes les saisons en vrai. Comme toutes les saisons. Donc là, on peut voir des maisons sous l'eau. Oh, mais c'est Willy Moons. Oh non. La petite maison de Willy Moons. Oh non. Ok, on atterrit. Donc il y a plein de nouvelles armes. C'est abusé, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. C'est vraiment abusé. Bon, par contre, il faut que je me remets un petit peu dans le monde Fortnite. Puisque dès que j'ai eu la banane en or... Oh là là, on commence par le nouveau pompe. Dès que j'ai eu la banane en or, comme si vous l'avez vu dans une précédente vidéo, j'ai débloqué la banane en or niveau 300, niveau 350. Et j'ai arrêté de jouer à Fortnite et je me suis dirigé vers Call of Duty Warzone pour un petit peu m'amuser. Et du coup, bah, j'ai pas repris un petit peu Fortnite et là, c'est vraiment... J'ai joué hier, j'ai fait deux games et après, j'ai quitté. Donc, on va récupérer une canne à pêche pour voir si on arrive à chevaucher un requin. Donc, on commence direct par le nouveau pompe. Donc, il fait 93 de dégâts. Ouah, c'est une blague. Ouais, il est cheaté en vrai. Ouais, il est cheaté en vrai. J'en ai aucune idée, cette saison s'annonce lourd. Aïe, 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 cette saison... Elle est incroyable cette saison. Donc vous voyez, on peut pas aller sous l'eau. Non, on peut pas. On peut juste nager comme ça. On peut voir les maisons sous l'eau, c'est abusé. Donc on commence par un petit spot tranquille. Il y a un coffre ici. Il est où le coffre? Il doit être dessous. Il y a un coffre sous la map. Il y a un coffre qui est sous la map. Ok, on peut pas. Bon, je sais pas ce que c'est. Donc aussi, il y a des véhicules. On peut piloter des véhicules, mais ça arrivera dans une prochaine mage à venir. On pourra conduire des véhicules, par contre ça c'est abusé conduire des véhicules. On peut plus ouvrir les... Oh non, on peut plus ouvrir les petites caisses comme ça qui servaient de coffre. Oh c'est dommage. On va garder le petit pompe, on va voir comment il tire. Ouais ok. Ok on va le voir en game. On va voir ce qu'il donne en game, il est très très long par contre. Ok, donc là on est sur Willy Moons en fait. C'est abusé, c'est vraiment abusé. Il y a un petit bateau là-bas. Les gens, ils découvrent petit à petit la map. C'est ouf. Cette saison est ouf. Qu'est-ce qu'il fait l'autre encore? Wesh, mais... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fortnite, donc je vais me laisser un petit peu tranquille. Je suis revenu un peu noob en fait. Par contre, je suis vraiment devenu nul à chier sur ce jeu. What the fuck? Qu'est-ce qu'il a pris? Ah, il a pris le truc pour partir. Ok. Bon, on va le laisser tranquille. Oh, c'est vrai qu'il y a la carabine. Ah, on va garder quand même la canne à pêche. On sait jamais. On sait jamais. Ah, ils ont toujours laissé les coffres rares. Oh, on commence par un petit score. Ça fait plaisir, ça. Oh, par contre... Faut que je me réhabitue à Fortnite.
Ouah, ok. Oh, j'arrive même plus à edit. Ah, mais qu'est-ce que tu fous? Voilà. Oh là là, faut que je me réhabitue, franchement. Alors, on n'a pas croisé de requin, donc j'aimerais bien croiser un petit requin comme ça. Ah si, on peut les fouiller. Bon, mais je comprends pas, il y en a certains où on peut les fouiller, d'autres non, je... Je comprends pas trop. On va garder la canne à pêche, même si j'aurais pu échanger. Alors, y a-t-il un petit requin par ici? Alors, les requins, je sais pas où ils sont, s'ils sont dans des lieux particuliers, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est ça en plein milieu, là? Ok, on va aller voir ça. Oh, encore un petit easter egg ou je rêve? L'easter egg de la précédente saison, si vous avez... Il y a pas un truc à faire. Ah, c'était la guerre. Ok, ils se sont fait une petite base. D'accord. Parce qu'en fait, les nounours et les lutins, c'était la guerre entre eux. Ils se sont réconciliés. Du coup, c'est devenu... Ils ont fait une base avec un petit plongeoir. Ok, on va éviter de trop nager parce que je sais pas si les requins ils font beaucoup de dégâts. Je sais qu'ils ont beaucoup de vie. On va aller vers Salty Spring comme ça on va... Ah, regardez, il y a de l'herbe. C'est trop stylé. Tu vois, il y a de l'herbe ici. C'est trop stylé. Oh là 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 là. Ça se fight à Salty. Oh, Salty, non. Oh. Regardez Salty comme c'est devenu. C'est abusé. Bon, on va pas jouer le top 1 cette game. Mais on va vraiment... Pouah, ils ont remis le snipe. Ça me saoule, je suis obligé de garder la canne à pêche. Mais c'est pas grave. Ah ouais, ils ont tout mis sous l'eau. On peut pas passer. Merci. Ouais, par contre, quand t'es dans l'eau. Ok, premier kill. Alors, par contre, mec, s'il te plaît. Ah, mais le pompe, il a pas tiré ou je rêve, le pompe que j'ai pris? Il a pas tiré la balle. Non, il a pas tiré la balle, le pompe. Bon, dommage. Le pompe n'a pas tiré la balle. J'ai vraiment pas compris. On va relancer une deuxième game, mais le pompe, là, que j'avais, là, 95 de dégâts, là, 80... Ouais, 93, je sais plus. Il a pas tiré la balle, peut-être qu'il fallait recharger, mais... J'ai pas compris ce nouveau pompe, il m'a fait tuer. Parce que si j'aurais peut-être un pompe chasseur ou un pompe tactique, j'aurais pu lui caler la balle. Et j'aurais peut-être survécu. Mais là, avec ce pompe là, j'ai pas compris. Je sais pas si je l'ai pas testé encore. S'il est bon, s'il est pas bon. J'en ai aucune idée. Je sais qu'il fait 93 de dégâts qu'on a vu tout à l'heure. Mais j'en ai aucune idée. On va tenter une petite deuxième game. Et après, on s'arrêtera pour la petite vidéo. Peut-être que je ferai un petit peu des vidéos sur cette nouvelle saison. Et après, ça sera bon. Ok, on est parti, let's go. Oh là 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 là, cette saison c'est ouf. Après on peut partir à l'agence, mais à l'agence je pense que ça va être... on va mourir. On va mourir, personnellement on va mourir. Wouah, Pleasant Park, regardez, il n'y a que le stade en fait. Il n'y a que le stade et les maisons autour, après c'est que de l'eau. Ah ouais, stylé. Et là, Holy Edge, ça n'a pas changé en fait. Holy Edge a été sécurisé de fou. Et regarde, mais Suicide Sense, ça a complètement changé en fait. Sweetie Sam, ça a complètement changé en fait. Alors pourquoi il y a des matelas qui sont déjà posés? Ça, j'en ai aucune idée. Voilà, là, là, là. Oh, par contre, il y a du monde encore. Voilà, là, mais c'est incroyable. Ils ont tout changé par contre, Sweetie Sam. Il n'y a plus de plage là. Ah, mais elle est là, la plage. Oh, la plage, elle est réduite en herbe. Ah, bon. Oh, il y a des petits parcours comme ça en plein Battle Royale. Je sais pas ce que c'est. C'est ouf. Alors, on va atterrir ici. Oh, là-bas! Et là, là-bas, il y avait le concert, je crois. Oh, il y a un petit bateau pirate ici, stylé. Et ça, c'est le tourbillon qui sert à voler, je crois. Ça te permet de voler. Pff, ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, allez, on va mourir. On va encore mourir comme d'hab. Allez, hop. Les petites pêches comme ça, ils sont stylés aussi parce que des fois ça brille et tout. Alors ici par contre, je connais pas trop le spot. Je sais pas où il y a les coffres. Là, il y a un petit coffre ici. Pistolet, ok. Ok, ok. Quand on tue les requins, apparemment, ça nous drop du loot, ça nous drop du butin. Donc on va voir ça. Bon, alors ce pompe là, je le prends plus hein, parce que
En vrai de vrai, comme ça. Non, en vrai de vrai, je vais garder le pompe tactique. Je reste fidèle au pompe tactique. Parce que j'avais pas compris tout à l'heure pourquoi je suis mort. Alors, la petite carabine, ça fait plaisir. Petite carabine qui est revenue dans le Battle Royale. Donc, il n'y a pas de requin. On n'a pas croisé de requin. Ça, c'est dommage encore. Hein. Bon, après, vous allez me dire, en game normal, quand je tournerai pas de vidéo, je serai content de ne pas croiser de requin. Parce que tout simplement... Encore une sperge. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les, les aspergeurs. Parce que les requins font mal apparemment, donc voilà. Ouah, par contre, les niveaux là, ça augmente bien avec les défis. Hein. Moi, quand je voulais débloquer la banane, c'était très très lent. Je mettais 100 ans pour augmenter les niveaux là. Avec les défis, ça va vite. Hein. Niveau 27, et on débloque un petit planeur qui fait plaisir. Bon, petit planeur qui drop l'eau derrière. Hop. Il est où le coffre? Il est où le petit coffre? Je suppose qu'il est en haut, ouais. Nickel. Il n'y a pas de requin, hein. Il n'y a vraiment pas de requin. Ils ont levé, là. Je suis pas en arène, pourtant. En arène, je crois qu'il n'y a pas de requin. Mais là, il n'y a pas du tout de requin. C'est quoi, ça, là-bas? C'est pas un requin, ça. Ah, c'est quoi? Ah, non. Non, je n'ai aucune idée où il y a des requins. Franchement, il n'y a pas de spot à l'heure aléatoire. Bon, on va prendre le petit tourbillon. Là, on va tester le petit tourbillon. Ça va nous faire envoler jusqu'à où? On va tester le petit tourbillon. Wouh! Ouah, mais c'est abusé! Ouah, mais ça te fait voler de fou! Ah ouais! Et la zone, je sais même pas à quoi elle ressemble, la zone. Ah, par contre, j'ai pas de planeur. J'ai pas de planeur. Bon, ça doit être un petit bug, hein. Mon planeur était bugué ou c'est moi? Ok, donc là, ouais, ça s'appelle bien Sweetie Sands. Très très bien. Ah, cette saison elle est vraiment cool. Bon, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas. Voilà, dans la précédente saison, là, chapitre 2, saison 2, avec l'agent, etc., j'avais pas fait de vidéo découverte du pass, parce que tout simplement, j'en avais pas envie, et je sais pas, j'étais pas hypé par la saison, mais après, j'ai été hypé, donc... Et regarde pour la banane. Oula, par contre, ça commence à laguer un petit peu. 25 de ping. Alors, je sais pas où ils sont, les coffres, là, quand même, ils ont tout levé les... Ah, là. Ils ont tout levé les spots. Spot de coffre habituel. On va garder les aspergeurs quand même. Est-ce que je garde les 3 kits ou... Ah, j'en ai aucune idée. Faut donc garder les 3 kits. Wow. C'est quoi ça? What the fuck? What? Il y a ce petit logo là qui était à Freezy Farm, etc. On peut pas le casser. Ok. Sous-Disson, c'est devenu un parc d'attraction, je crois. Ok. On va explorer un petit peu par là. Y'a personne ou... Non, s'il y a un coffre qui a été fouillé, là. Ah, c'est vraiment du lourd, cette saison. Il y a beaucoup trop de nouveautés. Je suis perdu, moi. Je sais même pas où aller. Il y a beaucoup trop de lieux à visiter. C'était comme un petit peu la saison 2. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas ce qui s'est passé. Une petite éolienne, là. Donc, moi, je pensais qu'on pouvait plonger dans l'eau. Ouf. Je pensais qu'on pouvait plonger dans l'eau et fouiller les épaves, mais en vérité... On peut juste nager comme ça, donc c'est pas nul, mais c'est dommage qu'on peut pas looter les petites maisons hein, qui sont sous l'eau, les petites épaves. Peut-être que ça arrivera par la suite, hein. Peut-être que je pars trop vite. Et voilà quoi. Alors, mais on n'a pas de requin, moi j'ai pas de chance en fait. Il y a vraiment pas de requin. On va aller à la zone, hein. On va utiliser le petit trampoline qui est maintenant orange. Donc avant qui était bleu et je sais quelle couleur. Voilà, on est parti. On va aller en direction de... On va voir Pleasant Park. On va aller faire un tour à Pleasant Park, je pense. Si on croise un requin, ben... Oula, oula, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des... Oula, je me fais tirer dessus, il y a des points... Et des trucs là-bas, là. C'est quoi ça?
What the... What? C'est quoi ce bordel? Il me tire au lance-roquette, mais c'est pas des... Attends. Laisse-moi monter, s'il te plaît. C'est quoi ça? Oula, je recule. Je me casse. Ah, il y a un fight juste là, mais c'est incroyable. Allez hop, j'ai découvert Prison Park, je m'en vais. Ah, il y a le truc de Craggy. Il y a le truc de Craggy Clift là. La ville qui était ici. Oh là là. C'est stylé. Festin flottant. Oh là là. Oh, Risky Reels. Wow, Risky Reels, c'est devenu bordel. Par contre, là, oh, un requin. What? Oh, il y a un requin. Wow, c'est la première fois que j'en vois dans le jeu. Attends, on va le suivre. Ouais, je vais rouler dessus. Ne bute pas, on peut allier face au requin. Ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Le mec, je pense qu'il voulait faire allier avec moi, mais malheureusement... Oh, la P80. J'avais oublié le requin. Oh, le requin! Il me fait peur! Wow! Coupe le but. Wow! Wow, tout le loot! Wow! Ah, mais c'est incroyable! Je rêve, il y a un mec anti-héros là-bas. Ok, wouah, tout le loot qu'il m'a donné, le requin. Alors, il y a la P90 qui est revenue, donc ça, c'est abusé. C'est trop bien, mais c'est abusé parce qu'il va mettre beaucoup de dégâts. Comment est-ce qu'ils l'ont? Ouais, ok, 21, ça va. Comment il avait une mini-pote? Comment il a la... Ah, il en a drop une, wouah, une, c'est pas énorme, en vrai. Il est où le bateau du gars? Ah, là. Bon, ben voilà, on a tué notre premier requin. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ok, top 15 en plus. On va aller voir en direction de l'agence. On va voir ce qu'il y a un petit peu. On va se faire buter, mais c'est pour découvrir. Quoi. C'est... Le harpon. Oh, le harpon, je crois que ça... Attendez, on va prendre le harpon. Ça sert à chevaucher le requin, je crois. Si je me trompe pas. Donc voilà, maintenant, ça appartient à... Ouais, ça appartient à l'homme maintenant. Ok. Donc vous, dites-moi en commentaire si vous étiez plutôt ombre ou fantôme. Moi, perso, je préférais ombre parce que les skins étaient beaux. Voilà. Oh, un requin! Alors là, mon gars. Vite. En vrai, je vais tester en vrai. Non, ça met que des dégâts. Non, je veux pas que ça lui mette des dégâts, moi. Oula, je me suis pris une balle à blanc. Non, je veux pas que ça lui mette des dégâts. Le harpon, il sert à rien, en fait. Oh, putain. Il va me sauter dessus là. Oh non, dommage, je suis tellement dingue, le harpon ça marche pas. Mais dans le trailer c'était avec... Ah, le requin, tu me plais pas, j'aime pas quand tu fais ça. Ça fait une pyramide. On va prendre le bateau, là c'est trop dangereux. Et ça s'appelle l'autorité. Ok, l'agence. Démarre. Oh là là. Bon, on a qu'un kill, mais bon, c'est pas grave, on découvre la saison. Ah ouais, carrément, l'agence s'appelle l'autorité, en fait. Faut avoir de l'autorité. Oh, ok. Free Farm, en vrai, elle est toujours... elle est toujours le petit blé, comme ça, en vrai. Oula, wouh. Flotte. Mais c'est stylé, mais... Wouah. En fait, à chaque maison, il y a... un truc comme ça qui flotte. Bon, maintenant, on va descendre à pied.
J'entends un mec en planeur. Il y a une tiro. Ok, 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 ok. Ouais, j'ai rien comme construit, mais... Oh, il faut scanner. Donc... Oh, oui. Une pomme. Oh là là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a le piment qui est revenu. On peut manger... On pourra manger des salades. On peut manger du maïs qui est là. Ça te redonne quoi, le maïs? Ça te redonne absolument rien. Prendre. Attendez, il y a un petit hélico. Ok, ça te drop rien en fait. Ça se fight, je vais les laisser tranquilles en vrai. Je vais les laisser tranquilles. Même le champ de maïs, il est sur sur un truc gonflable. Oh, il y a moyen qu'on fait top 1 en vrai. Hein. Bon, certes, on n'a pas beaucoup de kills, mais en vrai, on découvre la saison. Hein. Donc c'est pas mal. Ouais, regardez, regardez-moi l'océan. Ah, le chalet de... Comment il s'appelle? Le chalet du casse-noisette, voilà. Complètement... C'est quoi ce bordel? Tu fais quoi toi là? Mais tu fais quoi toi là? T'es bugué ou quoi? Oh, je me suis bloqué tout seul. Ok, en plus il perd pas beaucoup de dégâts, on va le laisser tranquille. Parce que le requin c'est mon garde du corps. Un petit requin, ok. Cramponneur ou je rêve? Il a plus de vie. Je me suis pris une balle à blanc. Vous pouvez pas me laisser tranquille 2 minutes. Pff, ma laser. Mettre un petit kit top 7. Voilà, j'ai trop rushé le mec. J'ai trop pris la confiance et en vérité ma laser. En plus je n'ai aucune idée. Il s'est fait tuer. Pardon. Non mais pardon mec, c'est une blague. Ouais, il avait le fusil à charge de kit. Pff, ouais. Bon. En vrai de vrai, la petite balle de carabine là, ça m'a pas trop plu, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, cette nouvelle saison, je l'adore, je la kiffe. C'est une des meilleures saisons, je trouve. Mais En question de l'histoire, etc., c'est une bonne saison au niveau de la map, etc., des nouveaux items. Mais au niveau du pass de combat, c'est pas le meilleur parce que les skins sont pas ouf en vrai. Les skins sont pas très ouf, c'est des skins basiques. Océane, Transit, c'est des skins basiques. Donc ça fait penser à des skins basiques. Donc Elmarine, ça, ok, merci. Ça fait penser à vraiment des skins vraiment basiques. Donc il y a Aquaman, le skin secret de cette saison, un petit peu comme Deadpool la saison dernière. Voilà, les skins sont ouais. Mais bon, franchement, c'est une très bonne saison, je trouve. Les deux derniers skins, c'est sûr qu'ils sont stylés. Ah, là, on les voilà. Le skin comme ça, c'est vraiment un skin bad, mais très bien. En plus, il fait fonction de chevalier noir. Ce skin là, avec le sac à dos du chevalier noir, c'est parfait, c'est nickel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, commenter et surtout à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.